Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 14, la carrière avec le RC Lens, la suite de notre aventure, ouais bravo, la suite de notre carrière avec le RC Lens, où dans cet épisode, que va-t-on faire? Va-t-on attaquer le Mercato? Va-t-on jouer contre le Stade Brestois, contre l'Estac en quart de finale de Coupe de la Ligue et contre Toulouse à l'extérieur en championnat? Et tout ça donc en tout pendant une période de mercato qui nous promet d'être intéressante. On va faire un petit rapport d'équipe d'ailleurs en passant. Par contre, ça, je vais vous montrer un petit truc en passant. Donc voilà, donc nous retrouvons avec Monsieur Ali Hamada qui a pas pris encore, qui a pas pris. Bon, il a 25 ans, 74, c'est déjà pas mal. Faut pas trop lui en vouloir. On a Lysione qui a pas pris en plus cette saison. Il a 24 ans, le garçon, 76, c'est pas mal non plus. On a Gunning qui a pas pris cette saison, mais bon, il a 25 ans, ça va, on va pas trop lui en vouloir, 78, c'est pas mal. Romagnoli qui a pris plus 2, il arrive à 74, à 21 ans. Ça fait plaisir. Alexandru qui a pris déjà plus 2, qui nous a coûté 8 millions 5 et qui vaut déjà 12 millions. Donc ça, c'est du bon achat, du bon investissement, ça fait plaisir, merci mon coco. Donc voilà, 82 plus 2. Chavaria qui a pris plus 1 à 28 ans, il arrive à prendre du plus à 28 ans, ça fait plaisir. 77 le garçon. Ça fait du bien, ça. On a après Daniel Johnson qui a pris plus 1, 74, ce qui est pas mal non plus, hein, pour un petit joueur qu'on a acheté 200 000 balles à l'époque. Le mec, il vaut 3 millions 100, il est titulaire indiscutable. Voilà, on s'y retrouve quand même plutôt pas mal dans l'affaire. Et d'autant plus qu'il fait des bonnes performances. Donc voilà. Après, on a Pierre Ducasse qui n'a pas monté, mais il a 29 ans, donc ça va commencer à descendre. C'est normal, hein, 76, c'est pas mal. Chérichev, et qu'on voit dans le moral qui a le mal du pays, qui a pris plus 1, 79, il vaut 7 millions. Et je pense qu'on va devoir le vendre, qui va partir à ce mercato, justement. C'est ça, je me sens bien qu'il va commencer à me dire « Oui, mais chef, je me sens pas bien, chef, dans mon club, chef. Alors que ça fait 3 ans que je suis là, je me sens pas bien dans le club depuis 2014. » Donc ça fait quand même depuis un petit moment. « Je me sens pas bien, chef. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le mal du pays, je veux rentrer chez moi. » Non mais attends, t'as gagné deux fois ton championnat national d'affilée, t'as gagné toutes tes coupes nationales d'affilée, t'as gagné l'Europa League, et le mec il est pas content quoi. Le mec il veut se barrer. Bon, c'est comme il veut, mais enfin bon. Je pense pas qu'il trouvera une meilleure place que chez nous. Enfin bref, ouais, c'est lui qui voit, donc du coup il faut se mettre sur une piste. J'ai déjà trouvé d'ailleurs des pistes pour un milieu gauche. On a Monsieur Daniel Villalva qui est très très bon, il a pris plus 1, il a 76, il est excellent ce garçon, très petit mais excellent. On a, je vais pas essayer de prononcer son prénom, on a Milik, on l'appelait comme ça, qui a pris plus 2, il a 78 à 22 ans, ça c'est très très bien. On a Jedvaj qui est dans les remplaçants, défenseur remplaçant, qui a pris plus 1, 73, il a 21 ans. Cyprien qui a pris plus 1, 67, mais qui va tarder à dégager parce que bon... Il monte pas vite du tout et je pense que voilà. On verra peut-être pour prendre aussi un milieu. Je pensais essayer de retenter le Chaloba. Pourquoi pas. Ou sinon on pourrait tenter autre chose, mais bon, ça dépendrait si Chérichev partirait ou pas. On a Ramon Azès qui a pris plus 2, il a 75 d'ailleurs, il est plus. Ouais, il est plus que Johnson. Ok, bravo, très très bien monsieur Azès. Pourtant il vaut moins cher que ça. Ouais. Pourquoi il vaut moins que lui? C'est pas grave, c'est pas pourquoi, 75 donc. Et donc voilà, qui est pas mal, Azès qui fait le taf à 75 de général. Berardi qui a pris plus 1, il a 73, ça fait plaisir. Edgar Sali qui a pas pris cette année, il a 73 toujours. Barcina qui a pris plus 2, il a 71, plutôt une bonne recrue aussi, on l'avait pas acheté trop cher. Et s'est révélé être un très très bon remplaçant. Ouais, un très très bon remplaçant. En plus qu'il a une stat de centre de merde en plus, c'est ce que je viens de me remarquer. On a Alex Nimli qui a pas pris cette saison. Il a rien pris, 25 ans. Je pense pas qu'il prendra beaucoup plus, 71. On a Rachid Milos/Levic, le Flumflum. Donc c'est notre jeune gardien qui a 17 ans, il a 52, il est très mauvais, mais il est sur la liste des prêts. Amada Zéphane qui a le statut de peut devenir spécial. Ça c'est bien. J'ai jamais eu ça sur un joueur. Donc ça c'est déjà très très bien. Donc il a pris plus 1 à 16 ans, il a 61. Mathieu Bessat, donc aussi un jeune, issu du centre de formation, au milieu gauche qui a 56. On a un 62 qui a... Enfin, jeune 1,
Khalidou Génin. Génin. Voilà, qui a pris plus 1, donc il en a 62 à 17 ans. Un MOC. Il y a des mauvaises stats, c'est normal, c'est un jeune. George Kevin le jeune, qui a pris plus 4, 58. Il a 16 ans, le garçon. Il est sur la liste des prêts, il est pas mauvais, il est pas si mauvais que ça. On a Ali Savanier, qui ressemble pas du tout à sa photo, mais c'est normal. Donc, issu du centre de formation aussi, à 55. Donc, il a pris plus 1. Maboulou, qui a pris plus 3. Plus 3, le bâtard. À 17 ans, donc c'est aussi un jeune du centre de formation. On a beaucoup de jeunes. Mais je crois que c'est la dernière fois que j'en fais. Jonathan Cantero, donc, c'était un agent libre, lui. 66, il a 20 ans. Donc, je pense que... Je l'ai mis sur la liste des prix, mais je crois que je vais le vendre. Parce que bon... Villarrey, il est... non, je l'ai gardé. J'ai décidé de le garder à 65 MOC. Il a 20 ans, donc plutôt pas mal, hein, pas des mauvaises stats. Jimmy Perrin, il a, il a 59, plus 3, il a pris. Il a 17 ans aussi, issu du centre de formation, qui est pas mauvais non plus, garçon. Lucas Gavaro, qu'est-ce qu'il fout tout en bas d'ailleurs, lui ? Il a 65, il a pas monté, il monte pas d'ailleurs, ce garçon, je sais pas pourquoi, il monte pas. Il monte pas au niveau des poids, mais pourtant il est bon. Donc bon, c'est tout ce qu'on lui demande, hein. Jean-Philippe Bamin qui est malheureux, il a pris plus 3, il a 64, mais il est sur la liste de prêts, je crois même que je vais le vendre. Aujourd'hui je suis colère. Non, 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 mais bon, il me sert à rien alors bon. Neil Mopé, le jeune Mopé, qui a 67, il a pas pris cette saison, il a que 20 ans, donc il a encore de la marche. Abdallah Yessien, qui a pris plus 1, il a 70, on l'a acheté 500 000 à Bologne, et il vaut déjà 1,5 million, donc c'est déjà une bonne pioche. Mickey qui a toujours pas pris, il a 22 ans, il serait temps quand même qu'il se réveille ce garçon. Michel Effier qui a pris plus 2, il a 70, il vaut 1,6 million sur la liste des transferts, c'est bien ça. Nacho Fernandez qui a pris plus 1, il est à 73, il est heureux, ça va bien. Igon qui est pas content, il est sur la liste des transferts, il a 69, il monte plus maintenant, il a 25 ans, mais c'est pas mal quand même. Hein. Pour un mec qu'on avait acheté, je crois qu'on avait acheté 180 000, c'est pas mal, il a fait le taf quand même quand il fallait. Xhaka, notre défenseur droit qui est jamais content de là où il est. Il a pris plus 2, il est toujours au club. Et il est à 73 donc. Alexandre Lacazette qui est blessé, il a pris plus 1, il a 77. On l'avait eu gratuit hein, début de saison. Et il est très très bon ce garçon. Et après on arrive sur les gens en prêt. On a Baptiste Guéraud qui a pris plus 4, ouais, pas mal. On m'avait conseillé d'ailleurs de le prêter. Mais voilà, bien, il a 64 du coup, milieu droit. Prêté au SCO d'Angers. Et c'est tout, on a qu'un seul prêt. On a viré tout le reste. Donc voilà, mais on va continuer dans cet épisode. Ben, j'avais dit ce qu'on allait faire. Donc là, on a 2 semaines pour faire les 28 millions. Ça fait un peu cher. 6 millions. Nous n'avions aucun intérêt. Ok. 2 millions, c'est tout ? Ferra Carrasco, c'est tout ? Ah, mais il est en mauvaise forme. Ouais, mais quand même. Quoi. 3 700 000. 31 millions. 8 millions. Je m'informe tout doucement. Enzo Fernandez, 240. Ah ouais, c'est tout. Enzo Fernandez. Wow, le fils à Zizou. C'est ça, hein, il me semble que c'est lui. Hein. Le fils à Zidane. Bon, il n'a pas un bon potentiel, mais c'est pas grave. Thorgan Hazard aussi était intéressant. Ouais, non, mais je me suis... Antoine Griezmann, mais... Moi, je cherche un milieu gauche, et en équipe de France, j'ai beaucoup de mal à jouer avec lui en milieu gauche, donc je pense pas le prendre. Je suis désolé. À propos de mon départ du club. Comment ça, tu veux partir ? Espèce de bâtard, enfin, j'en étais sûr. Tu veux du temps de jeu? Rapport sur les jeunes joueurs, on va voir ça. Ali Hamada va te faire foutre. Ok, conférence de presse, on s'en fout. Alors, j'en étais sûr qu'il voulait rejeter. Et refaisait toutes les futures options parce que j'ai qu'un seul gardien, j'ai envie de le garder. Rapport sur les jeunes joueurs. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Hein. Ouais, mais ça me fait chier de les prendre si c'est pour. Si c'est pour finalement rien en faire. Chirichev préfère partir. Quel bâtard. Je vais le vendre alors. J'ai aucune pitié. Ajouter à liste des transferts. Un Imli va être prêté. D'accord. Espèce de salaud. Ça tombe bien, j'avais trop d'attaquants. Nimli, tu veux te prêter. Tu as 25 ans, déçu par son manque de temps de jeu. Allez. Je te mets en prêt.
Qui c'est que j'avais mis à vendre? Ephir est à vendre. Cantero, Cantero. Il est à vendre. Allez. C'est gratuit. La casette est blessée, mais il revient. On aura Mopé, Milik, Sally et Villalva. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 attaquants pour 2 postes, c'est pas mal. Ça suffira largement. Là, il est apprêté, ça c'est ok. Blablabla, blablabla, blablabla. Ouais, tout ça, c'est bon. Bama, allez, hop, à vendre. Mabou, bon, on va prêter parce qu'on est, on a pitié quand même. Ouais. C'est le moment de me demander des trucs, les enfants. Hein. Non, du coup, on m'a donné des bonnes infos. Des infos intéressantes. Au compost, ça me paraît pas trop cher pour ce garçon. Centre, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça pourrait être un genre de profil qui m'intéresse. Ça, c'est moins intéressant. Ça peut être intéressant, mais c'est plus un profil de buteur, le garçon. Florian Thauvin, oui, mais il est en forme mauvaise. Donc, surtout qu'il me regarde bizarre sur la photo. Donc... Griezmann, c'est trop cher. Pas déconner non plus. Brume, hein, j'avais demandé sur Brume. Je me souviens plus si j'ai demandé. J'avais demandé sur Sterling. Je me souviens plus si j'ai demandé. Ouais, en fait, on a l'embarras du choix. En milieu gauche, franchement, il y a vraiment le choix. Du coup, on va commencer à demander combien ils veulent pour. Tiens, Ramsey. Je vais bien m'informer sur Ramsey. Goretzka. Ça va faire cher, Goretzka. C'était déjà cher avant. Je sais pas pourquoi ça serait moins cher. On est Xhaka, tiens, pourquoi pas. Deux Xhaka dans l'équipe. Suzu, il peut jouer milieu centre, on est d'accord. MOC. Il peut jouer milieu droit, MOC, milieu gauche. La guerre. D'accord, garçon. On va s'informer. Et tu vas aller observer ce garçon. Hein. Voilà, alors c'est ça. Non, je peux pas m'informer. Junior Malanda. Junior Malanda, on pourrait, hein, on pourrait, mais si, il va falloir, nous va falloir un milieu gauche, donc ça va nous coûter trop cher. Et on peut plus s'informer, donc on va attendre. J'aime bien la période des transferts. Daniel Johnson. C'est quoi ton offre? Ah, Seritchev. Oh non, 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 essaie pas de me l'avoir au rabais, hein, tu te fous de ma gueule, toi. Le mal du pays. Dans ton cul, le mal du pays. il valait 7 millions, pourquoi il vaut plus que 5 maintenant? Non mais c'est dégueulasse. C'est encore une offre. Ah non, c'est pour Ephir. Oh non, 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 au moins la valeur, les enfants là. Tu me tapes 2 millions là. FC Nantes, tu me tapes 2 millions pour le garçon. Seritchev, 7 millions, je suis désolé. 7 millions, il les vaut largement. Peut-être qu'on pourra faire du bénéf. Non, on va pas vendre. Johnson en a besoin. On a besoin de 2 millions intéressants. 12 millions 5. 6 millions 5 pour Ramsey, c'est tout. Ah, mais c'est le salaire, non? C'est Arsène Wenger qui m'a répondu. Ouais, Arsène Wenger. Et Arsène! Trop cool. Ah, du coup, c'est intéressant. C'est pas si cher que ça, quand même, pour Ramsey. En plus, il a pas un salaire énorme. Ça y est, on va commencer à être gourmand, maintenant. Denis Seritchev. Allez, attends, mais vous êtes vraiment des bâtards, hein. Même si le CA me le vend à 5 millions, franchement, je prends quand même. Hein. Parce que là, c'est tous des salauds. Là. Les mecs, ils essaient de gratter, mais comme c'est pas permis de recevoir... Un petit peu cher. Un petit peu cher aussi. Un petit peu cher aussi. Ouais, non, mais je sais qu'il doit être vendu. On peut causer salaire. On peut essayer d'en parler. Et si c'est trop cher, on peut plus. Alors, attends. Il est où que je le retrouve? Ce petit garnement. Lijon qui veut causer salaire. Pourquoi il se trouve. Il trouve que son salaire est pas assez élevé? Je l'ai passé. Non, il est là. 4 ans et demi et tu veux causer salaire maintenant? C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Putain, tu vas rester longtemps chez nous, toi. Offre de transfert. 1 million 9, Michel Ephir. Attends, je réfléchis. 4 millions 5. Foutez de ma gueule.
Non mais... 7 millions les enfants, 7 millions, 7 millions, je veux pas savoir. Marseille, 5 millions, c'est franchement c'est les plus honnêtes depuis le début. Carlis United, allez hop, attends mon garçon, on va te faire les dents. Michel Effir, donc, est-ce qu'on a encore cher et de chef le Sporting, ce coup-ci? Non, non, c'est le même tarif pour tout le monde, 7 millions. C'est la vie, c'est comme ça, la vie est dure, hein. On a besoin d'argent, nous aussi. 1,6 million, allez, ça fait 100 000 de moins, allez, je te le vends. Je te vends mon petit Michel Effir, prends-en soin, mon petit loulou. Joueur prêté, ok, ok. On va faire donc ce premier match contre le Stade Brestois, à la maison, match de championnat. On va les faire jouer en couleur extérieure, ça ira très très bien. Tout le monde est en forme, on a un match de coupe dans moins d'une semaine. On va faire reposer les titulaires. Hein. Même s'ils sont passés Noël tranquille. C'est pas grave. C'est pas grave, on est comme ça. Nous. On fait reposer encore plus les gens. Et après, ils vont dire « Pourquoi je joue pas ?» Espèce de con. On va te faire reposer là pour que tu joues le match de coupe après. Chéri de chef, il va pas jouer pour lui mettre le guac. Non, c'est Azez qui prend la place de Monsieur Ducasse. Et tiens, on va mettre Yessien. Je devrais enlever Cyprien du banc. Mettre carrément Yessien, mais. On va mettre Gigi Johnson sur le banc. Et après, devant, on va changer la paire d'attaquants. Nimli était prêté. Donc, enfin, il veut être prêté. Pourtant, il a le moral. Pourquoi il se fout bien de ma gueule. Cantero, tiens, Cantero. On va faire jouer Cantero un peu. Sali Cantero devant. Sali là-haut, je préfère. Et Villalva, non, on va mettre Mopé. Et voilà. Et on va y aller comme ça. Et on va mettre Villarreal à la place de Cyprien. Allez, allez, on est parti comme ça. Bon, j'espère qu'on pourra vendre Inej en plus. Quoi. J'espère qu'on pourra vendre Monsieur Tcherichev à sa valeur, à 7 millions, sa valeur avant qu'il commence à me dire oh, je veux partir. Oh, j'ai oublié le ballon, Monsieur Sali. T'es bien rapide, mais t'as oublié le ballon, mon petit loulou. Allez. On est parti pour ce match. Oui, Inej, effectivement. Inej bien comme il faut. Un petit peu délicate, Jean Mimi. Wow, non, c'était pas comme ça. C'est pas ces deux équipes, les ambitions ne sont pas les mêmes, mais la détermination, si. Ça s'approche. Ah, le salaud. Sur cette interception. Ah, le salaud. Bien joué, c'est pas sorti, ça. Ça, c'est propre, ça, ça c'est du boulot, ça. Oh, il est hors jeu, Bernat, il est hors jeu. Mais qu'est-ce qu'il. Berardi, pardon. Ouais. Il a fait une esquive sur le défenseur et en fait voilà, c'était l'esquive de trop. C'était l'esquive de trop. Allez Cantero, tu peux courir. Je sais que tu peux courir. Merci. Allez Xhaka, t'as mis tes gants. Et or, sans rien. Ah c'est trop court. Interception. Avec il est à la récupération au milieu de terrain. Elle est pas mal partie celle-là. Et c'est le but. C'est le but de Berardi, magnifique. Le but de Berardi à la 15e pour l'ouverture du score. Cette bonne passe de Cantero qui est décidément un pas mauvais passeur, hein, ce salaud. Il est souvent au passe de certains buts quand même quand il joue. De la plupart des buts, il faudra que je regarde son taux de passe décisive, mais il ne doit pas être mauvais. Bien joué en tout cas de la part de Monsieur Cantero qui prouve que hein, il vaut quand même quelque chose. Ça sert à rien de pas vouloir l'acheter. Allez. Allez, Xhaka au contact. Bien joué, Xhaka.
Allez, pour Cantero. Cantero. Non, c'était pas pour là que je voulais. Pas grave, c'était pour Monsieur Azez. Allez, c'est le match-up. Bien joué. Bien joué, mon garçon. Bien joué, Monsieur Berardi, là, qui a bien suivi sur le... sur Monsieur le défenseur. Un joueur très à l'aise, techniquement capable de faire à peu près tous les gestes. À peu près tous les... Ah bon? Je sais pas, j'ai pas essayé. J'aime pas les gris-gris. Allez, 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 hop là. Celle-là, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Hop là. Ça aurait pu. Ça aurait pu, ça aurait. Allez, on contacte les enfants, on contacte. Ah, il est hors jeu. Mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Ouais. C'était bien remplacé, j'ai vache bien joué à lui. Ouais, ça serait pas mal un petit Ramsey au milieu de terrain. Et encore une passe. C'est un bon joueur, donc. Voilà, mais c'est quoi cette vieille passe, Monsieur Berardi? Avec lui, Franck, on peut s'attendre à quoi? C'est ce que j'appelle un attaquant très bon. Ouais, ouais, ça serait pas mal un petit. Contre-appel, Martial. Enfin, moi, je pense que ça pourrait donner quelque chose de bien. Nacho. Nacho à la faute. Bien joué, ça. Très, très bon tacle. C'est pas un bon tacle, c'est un très, très. Ouais, par contre, Sali, ta course, elle est dégueulasse. Oh merde. Xhaka, qu'est-ce que tu fais là, Xhaka? Bien joué en tout cas. Il sait qu'il a du soutien. Ouais, ça passe pas. C'est pas ton côté, mais. Ah merde. Ça c'est con. Non, ça serait pas mal un petit Ramsey au milieu de terrain. Avec. Qu'est-ce qu'il nous fallait? Un bon milieu gauche. Quelque chose de bien là. Quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme quelque chose de bien à gauche? Qui pourrait être bien sympathique là, après ça. Manchester City, là, ça pourrait être. Faire un truc bien. Ouais. C'est pas joué à grand chose. Les enfants, bien joué. Bon, très très bon retour de Monsieur Cavaro. Et c'est la mi-temps. Cette courte avance. C'est la domination, mais bon, c'est. C'est la domination, quoi. Deux tirs, deux cadrés, un seul but. C'est la, c'est la domination tranquille. Bien, merci. Merci, monsieur l'attaquant brestois. J'apprécie ton geste de fair play. Allez, ça c'est bien parti. La tête plongeante, il est pas hors jeu quand Théro. Il est pas hors jeu quand Théro était tout seul devant. Et par contre, il doit être limite, hein. Et la belle passe, le beau centre de Berardi là. La tête plongeante devant le gardien qui est baqué. Ça fait 2-0. Le but de Cantero à la 50e. Très très bien joué. Très très bonne entame de seconde période. Allez, Mickey. C'est pour Mickey. Barcina, c'est vrai que je joue pas beaucoup sur Barcina, donc. Ouais. D'accord. C'est quoi cette vieille perte de balle, Monsieur Sali là? Bien joué, Monsieur Cantero là, qui nous fait un très très bon match, Monsieur Cantero. Il joue pas souvent, mais quand il joue, il fait des trucs bien. On aurait pu récupérer un bon ballon. Et c'est Sali qui récupère là après ce bon. Et la demi-volée à terre. Ouh, ça a failli frapper là. Ça a failli frapper, mais il y a eu croisement de jambes. Il y a eu croisement de jambes un peu. Allez, c'est bien récupéré. Benchop, ça va sortir. Voilà. Et on va peut-être faire des petits changements. Ah, c'est vrai qu'on joue à la maison. Il est vrai. Il neige à Lens. Et Monsieur Yessien est fatigué. On va faire rentrer Monsieur Villarreal, qui ça fait longtemps qu'il a pas joué.
Qu'est-ce qu'on va faire sortir? Monsieur Mopé. Qui va rentrer à la place de Monsieur Sally. Parce que Cantero est plutôt bien dans son match. Il y a beaucoup d'animation autour des Allez. touches, il va y avoir des changements. Ce Villarreal qui joue pas souvent. Qui a plutôt un bon remplaçant quand même, hein. Il fait le travail. Mopé. Allez, Berardi pour Xhaka. Xhaka pour Cantero là, qui part sur un débordement. Mais qui a perdu le ballon. Ça, c'est dommage. Prochain arrêt de jeu. C'est Chetvache qui va récupérer. Non, c'était pour. Putain, c'était pour. Azez. C'était pas pour Mopé. C'était pour Azez, parce que là, il balançait sur Azez et pas sur Mopé. Là, il y avait passe décisive de. De Azez pour. Non, de. Ouais. Je sais plus. La touche quasiment au même endroit tout à l'heure. D'accord, le contrôle de du sommet du crâne. Wow. Va te calmer le sexe, monsieur, là. Fais pas des tacles comme ça dans le dos. Et il va faire un centre. Centre tête but. Bien joué, monsieur Jedvage. Très très bien joué, monsieur Jedvage. La bonne tête. La bonne tête du. Oh putain. Dommage, parce qu'elle aurait été un petit peu plus précise, celle-là. Il aurait pu se mettre une autre. Après un but, une passe décisive. Allez, ça va repartir de l'autre côté. Bien joué pour monsieur Mopé. On va envoyer là-haut. Non, c'était pas pour Ancile. C'était pas pour là, c'était pour un peu plus proche. C'était pour monsieur Xhaka qui partait. Allez, encore une fois, monsieur Xhaka. Qui fait plutôt un bon match aussi. Allez, pour Barcina qui avait fait un début de bon appel et puis après il s'est arrêté. Le centre peut-être. Ah, c'est Mopé qui récupère, ce sera un corner. Ça sera un corner, mais j'ai pas beaucoup de gens de. C'est peut-être Cantero qui est pas si mauvais que ça. Jette vache de la tête, c'est beaucoup trop haut. Et ce sera un re-corner. Allez, Villarreal. Pour la tête. Et le but de Jette vache de la tête à la 90e. On est déjà à la 90e. Pour ce troisième but. Jette vache de la tête sur un centre de Villarreal. La passe décisive de Monsieur Villarreal pour la bonne tête de Jedvage. Et ça fait 3-0, effectivement. Bim. On a failli piquer le ballon. Bien joué, ça. Zvitanić. Ah, la belle frappe et la réduction de l'écart. Mickey qui a pris un but. Oh, quel compte sur leur seule frappe du match. Et il est bien glissé celui-là. Attendant, il est bien glissé. Bon, ça fait 3 buts à 1. Voilà, un coup de sifflet. Hein. 3 buts à 1. Bon, tant pis, on a pris un but. Mickey, il a pris un but. Allez, 3 buts à 1. Mickey, il a chié quand même. Mickey, il a chié. Berardium du match. Un véritable rouleau compresseur. Il a marqué un but, mais. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci, Franck. Cantero, il a fait la même. Hein. Ah, il a fait la même note, effectivement. Il a eu la même note. Bon, ben voilà, c'est la victoire. La victoire lançoise, une nouvelle fois, 3 points de plus. Allez, proposition de transfert. Ok. 6 millions. J'avais dit 7. Non, contre-proposition à 7. À 7 à 7. Je suis en train de me dire, est-ce que je fais pas une connerie? Est-ce que je devrais pas le vendre vite fait à 6? Accepté, ok. Pas de souci. J'attends quand même de vendre Chéri de Chef. Michel Effir a été vendu, proposition de transfert. 6 millions 5, bah tu vois, il y a déjà mieux. 5 millions. Non. Ok.
Déjà Marseille, non. Contre-proposition à 7. Bon, on a le Bayern qui s'en rapproche le plus, à 6-5. Il a le mal du pays, si on accepte. On a déjà un bon petit pécule d'argent, là. Ouais. On accepte. 1,5 million de plus, c'est presque sa valeur normale. Allez, comme ça, il part au... Il part au Bayern. Est-ce qu'avec le cul que j'ai, je vais me le retrouver en face de moi au Bayern? Allez, on va accepter l'offre du Bayern. 6,5 millions, c'est pas mal. Il valait 7 millions avant qu'on le mette sur la liste des transferts. Oh, merde. Oh, les bâtards. Putain, le Sporting Million, on peut mettre que 6 millions. Bon. Eh ben, tant pis. On a perdu 500 000 balles. On a perdu 500 000 balles. Bon, ben, on va pouvoir maintenant recruter. Allez, c'est parti pour la valse du recrutement. Monsieur Ocampos, ton salaire, mon garçon, c'est quoi? 45 000, c'est pas trop cher. C'est pas trop cher. Tu as quel âge? 22 ans, c'est pas mal. Bah, ça fait trop cher, ça fait trop cher, ça fait trop cher. Ça, c'est un petit peu cher. C'est un petit peu radin, hein, vous savez. Alors, où sont les milieux gauches? Voilà. Tiens, on m'avait pas dit ça. Ouais, mais il est moins intéressant que les autres, celui-là. Ferreira Carrasco, mais il est en forme mauvaise, alors ça me fait un peu peur. Enzo Zidane, 200 000. Thorgan Hazard, ça peut être pas mal. Gaël Kakuta, 6 millions. 7 millions, pardon. Thorgan Hazard m'a dit 7 aussi. Ouais, il y a le choix. Il y a Nabil Fekir, d'ailleurs, qui est sur la liste des transferts. Mais c'est vrai qu'il n'a pas un potentiel énorme. Donc, bon. Wellington Da Silva, 3 millions 100. On me l'avait conseillé une fois, ce garçon-là. Parce qu'il est très rapide. Il peut jouer milieu gauche, AG et AT. 24 ans, brésilien. Ça me paraît pas trop cher aussi, 3 millions, 3 millions 100. C'est quoi ton salaire, mon garçon? 45 000. C'est quoi vos salaires, les enfants, là? 80 000, d'accord. C'est pas exactement le même salaire. Et monsieur Hazard? À tout hasard, c'est quoi ton salaire? 70 000. Eh, vous êtes bien des bâtards. Hein. Bien des bâtards. Non, celui-là, il m'intéresse un peu moins. Ok, puis après, il n'y avait rien de trop... Ah si, peut-être 7 millions. 10 millions, ça fait un peu cher. 10 millions 5, ça fait un peu cher. Bernat, 6 millions. Le rapport qualité-prix, il va sur Wellington Silva quand même. Hein. Bon, il doit avoir un général moins élevé, du coup. Pas une grosse endurance non plus. Pas une énorme qualité de centre. Je partirais bien pour peut-être un Thorgan Hazard. Pourquoi pas. Endurance 78-76. Allez. Si on fait une petite offre à, disons, 5. Disons 5 pour être sérieux. Ils vont dire, oh non, on veut 14. Truc logique, on veut 14. On va essayer Gaël Kakuta aussi. C'est quoi la différence au niveau de la vitesse? Allez. Allez. On va tenter du 5 aussi. On a les moyens maintenant. Enfin, on va les avoir bientôt. Bah, ça va. D'accord, ça va nous coûter ce que nous avait coûté. Enfin, ce qu'on a revendu chez Richef. Wellington Silva. On va tenter, même si c'est pas un titulaire indiscutable, ça peut se prendre. Et on voulait aussi pour du milieu. Allez, autant qu'on y est, autant y aller partout. On est bien, on est à l'aise et tout. Caspit Zone, ouais, je sais qu'il est pas mauvais lui. Mais il doit valoir une belle fortune. Non, Piazzone. Je sais pas comment ça se dit, vous avez compris. Ouais, les prononciations des joueurs. Nathaniel Chalova, j'avais demandé, non? Combien écouter? On m'a pas répondu. J'aime pas quand on me répond pas.
je peux pas savoir. Le Souzo aussi, tiens. 10 millions. Un peu cher. Chronic Zaka. Ouais. Goretzka. Ouais, bon, on va déjà voir. Ouais, on avait dit Ramsey. Ramsey, 6 millions 5, ça me paraît vraiment pas beaucoup. Il a 26 ans. On va être les salauds, on va mettre 4. Combien? 70 000 de salaire? 14, ouais. Ouais. De toute façon, on pourra en prendre qu'un milieu central et un milieu gauche. Pas le choix. Denis Cherichev. Bim! Ça sert à rien. On s'en fout. On s'en fout, ça sert à rien, ça fait plaisir de mettre plein de chiffres comme ça. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas. D'accord, ça fait un petit peu trop cher. Un petit peu. Joueur vendu, Cherichev au Bayern. Putain, le bâtard de Sia qui se fait des couilles en or à chaque fois. Oh non, mais putain, mais c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Hein. Putain, les mecs, ils s'alignent et tout dessus. Là, ils s'alignent. Après, une fois que je l'ai vendu, 6 millions 5, quoi. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Hein. C'est bâtard. J'ai combien? 26 000. 26 millions. Et 150 000 de budget transfert. Enfin, de masse salariale. Donc, on peut faire deux salaires à 70 000. Et il faut pas non plus abuser. 5 millions. Oh, ça va! Ils m'ont dit 6 millions 5 et 95 millions maintenant. D'accord? Je prends. C'est la même. Gal Kakuta, non. Pourquoi? Tu m'as dit 7. Je mets 6. Comme ça, moi. 80 000 de salaire. Par contre, il faut se méfier. Ah non, c'est pour... d'accord, non, c'était... J'ai pas compris. J'ai cru que c'était pour Ramsey. Pardon, excusez-moi. Autant pour moi. On va mettre 3 millions. Et on va faire ce match contre l'Estac. Et du coup, on n'aura pas de milieu gauche. Tu vois, papa. C'est quand qu'on joue contre... Ah, mais c'est, c'est dans le mois prochain, d'accord. On aura le temps d'acheter quelque chose. Je suis en train de me dire, vous ne voudriez pas qu'on se retrouve à jouer contre Manchester City sans avoir un vrai milieu gauche. Ça serait un peu la merde. Allez. Contre l'Estac, on va jouer avec l'équipe type. Et Parsina, exactement, qui a pris la place de monsieur Cherichev, Cherichev. Et c'est Mickey qui montait là. Ça va très bien. Ça va très bien, ouais, parce que j'avais pas de gardien. Là. Faut toujours se méfier, parce que ça m'est arrivé de perdre un gardien une fois et ça m'a fait mal. Donc du coup j'évite. Berardi peut jouer sur les deux côtés. On a Azé Cyprien. Déjà, Cyprien, tu vas gicler, mon garçon. On va faire entrer monsieur Yessien, qui est très très bon. Voilà, on a quand même une belle équipe. On a quand même une belle équipe. Minimum de général dans la titulaire, c'est Barcina, 71, le minimum. Après, c'est du 75, le minimum. Donc c'est quand même une jolie équipe. Faut pas déconner, Milik, 79, quel bâtard. 79, le salaud. Non, c'est quand même une jolie équipe qu'on a. Allez, un petit enroulé pied gauche. Bim. Non, c'est pas rentré. C'est un match important, hein, ce quart de finale. Quart de finale, allez. On est les tenants du titre, comme l'année dernière et comme l'année d'avant. En fait, comme tout le temps. Et on aimerait bien se faire une petite Champions League cette saison, ça me ferait très plaisir. Allez, la petite passe non, qui passe au-dessus, qui passe pas au-dessus. Sur cette interception. La frappe, oh, elle était belle. Elle était belle, Zizi Johnson, elle était belle. Elle était jolie, ta frappe. Voilà, le bon contrôle, l'enchaînement et la bonne frappe. Elle était cadrée, le gardien qui se déploie. Allez, Zizi Johnson pour la tête de Romagnoli. Oh, c'est bien trop. Ce sera une sortie de but. C'est la crête. C'est la crête qui a dévié le ballon. Allez, tout ça pour ça, après de longues tractations avec une situation au point mort, l'impasse, et finalement, on s'installe. Wow.
Daniel Johnson, mais ça fait un moment qu'il a prolongé là. Ou alors il a pas prolongé encore, je sais plus. Mais si je m'inquiète pas, c'est qu'il doit avoir encore des années avant. Mais bon, il faut quand même préparer l'avenir. Notamment le départ de Ducasse. Ah, j'ai poussé. D'accord, Marcina. Bravo. Bravo, c'était joli ça. Je dois dire que c'était joli, j'ai bien aimé. Le coup du je centre dans le vide, je fais semblant. Allez. Allez les enfants. Allez les enfants là. Il faut presser là, faut pas les laisser comme ça là. Bien joué ça. C'était pas exactement là que je la voulais, mais c'est pas grave. Putain, il se fait malmener, monsieur Villalva. C'est honteux. Moi, je serais lui, j'irais me plaindre. La petite passe au-dessus pour Milik. Peut-être la réponse. Le centre, et ce sera un corner. Je voulais lui mettre un centre, même si j'étais très très mal placé pour mettre un centre, surtout avec les grandes jambes de. Pas très bien tiré. Ducasse. La frappe de Ducasse qui passe juste à côté. Dommage, ça aurait pu tromper le gardien. J'ai cru qu'il n'allait pas l'avoir en plus. Et la belle frappe de Ducasse, mais qui passe juste à côté, bien puissante en plus. Bien joué mon garçon. Après on a quoi comme match? Un match contre Toulouse. Un match contre Toulouse à l'extérieur. Allez Romagnoli. C'était fier d'être un lanceur fondamental. Hein. Allez, Milik qui va lancer sur Alexandro qui est monté. Alexandro qui est monté. Qui est toujours monté. Qui est encore en train de monter. Non, c'était pas pour là la passe. C'était pour Ducasse qui est arrivé, je crois. Eh ben, Sandro, tu te fous de ma gueule? Putain, tu vois le ballon comme ça, tu le prends pas. Putain, le type il a le ballon devant ses yeux, qu'est-ce qu'il fait? Non. Non, je vais pas tendre le pied, non. Non, il n'en est pas question. Je ne m'abaisserai pas à ce genre de choses. En bas, non, putain, en bas, on l'avait vu partir en bas là. C'est pas grave, est-ce que c'est. Le but, c'est le but de Villalva. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait comme tir là, mais il a mis le but. J'ai cru qu'elle allait se faire accrocher honteusement, mais c'est Villalva qui ouvre le score à la 36ème sur cette bonne ouverture, on va dire, de Monsieur Milik. Comment il a fait sa frappe? Je sais pas compris. Un extérieur, non? Ouais, un extérieur du pied, tranquille, le mec. Extérieur du pied. J'ai cru qu'elle partait dans les nuages, mais en fait, non. Elle est partie dedans. Hop, putain, elle était bien jouée, celle-là. Chavaria qui va récupérer le ballon. Oh, dommage. Contrôle qui était juste. Attention à cette perte de balle au milieu. Oh, Ligione, ce contrôle de balle de Ligione, totalement what the fuck. Allez, Didi Johnson qui n'arrive pas à rattraper le garçon. Bien joué, Didi Johnson. Pour Ducasse qui envoie pour Villalva. Pourquoi il a fait une passe en hauteur alors qu'il était juste devant le garçon? Allez, Alexandro. L'attaquant qui saute, tu sais. Ouais, j'ai eu. Allez, Villalva qui permet à Lens de mener. Il faut se méfier quand même, hein, de 3. Faut quand même se méfier de 3 parce qu'on est quand même 15-0. Pas forcément totalement serein dans ce match. Il y a le Noël qui était il y a pas longtemps, donc du coup ils sont encore un peu lourds les joueurs. Il y a la dinde qui est passée par là, alors. Quelques millimètres près, c'était dedans. Enfin, c'était bon. Non, qu'est-ce que tu m'as fait, Sandro? Mais il se fout de ma gueule. Mais c'est pas vrai. Il veut partir lui aussi, non?
Il veut partir un peu le garçon, non? Comment il peut me sortir une passe comme ça? Très bonne lecture de jeu là sur cette interception. C'est quand tu veux, Milik, mon garçon, quand tu veux. Ouh! La frappe de Milik, rat de terre. Et sans faire exprès, j'avais appuyé sur le pad. Et la frappe de Milik, un rat de terre qui vient tromper le gardien dans le guac le plus total. Alors qu'il y avait une double faute. Non, enfin non, il y avait faute et pas faute en fait. Les deux joueurs se sont rentrés dedans. Ils ont fait un bisou. Voilà, un bisou dans le dos. Et Milik qui met la petite frappe à ras de terre. Et ça fait 2 buts à 0. Et ça fait le petit break. On va tâcher de maintenir l'avance. À 2-0. Pas se faire accrocher par cette équipe troyenne. Oula. Oh non. Qu'est-ce que tu m'en fais ? Villalva, te mets pas à côté si t'es pas sûr de l'avoir. Il faudrait peut-être venir en soutien pour l'aider. Ça va repasser dans l'axe. Ah, ça c'était bien joué, la talonnade elle était belle. Bien joué, allez on repart. On part contre-attaque les enfants, contre-attaque. Faites pas le con, faites pas les con. Oh mais c'est quoi cette vieille passe? Johnson, je balance un gros Y devant et qu'est-ce qu'il me fait le mec? Il trouve le moyen de la passer au type qui est juste devant quoi. Ça va sortir ça. Tranquillement Amada qui va faire le 6 mètres. Est-ce qu'on fait des changements nous aussi? Est-ce qu'on va faire des changements? Non. On va rester comme ça. On va essayer d'égaliser, il reste encore du temps. Allez Milik, te casse pas quand je veux te faire le ballon, quand je veux te passer le ballon. Allez Barcina, là t'es bien placé Barcina. Barcina. Et c'est le but de Barcina à la 71e minute pour le 3-0. Bien joué Barcina. Il était tout seul dans son couloir. Et il a pris le couloir tranquillement tout seul. Et il a ajusté le gardien tranquillement à l'entrée de surface. Et voilà. Pour le 3-0. Bien joué mon garçon. Bien joué Ducasse. Il y a de la bonne défense quand même, ça joue bien quand même de cette équipe. Et encore une passe. Milik qui se fait voler le ballon comme ça quoi. Putain, le mec il est censé avoir. C'est une montagne quoi le type, il se fait déplacer comme ça quoi. Allez, une bonne passe pour Villalba, un bon petit contrôle, la petite frappe de Villalba. Chavaria qui met. Oh mais non, il a voulu centrer monsieur l'arbitre. Soyez sympa, il a voulu centrer le garçon. Milik et Barcina sont fatigués et on va faire entrer monsieur Berardi parce qu'il peut jouer de ce côté-là et monsieur Nimli tiens pour montrer qu'il est encore là et qu'il est apprêté. Je comprends pas très bien la décision de l'entraîneur avec ce changement. Ben, moi je suis de votre avis, il a choisi de faire entrer un défenseur supplémentaire. C'est n'importe quoi Jean-Michel. C'est n'importe quoi Jean-Michel. Jean-Louis, Jean-Luc, Jean-Marie. Ou un truc comme ça. Allez bim, la petite passe. La petite frappe. Et le gardien qui vient. Qui était sauvé par son défenseur là. C'est n'importe quoi Jean-Mimi. Je ne comprends pas la logique de cette équipe. Hop là, c'est un peu trop long, c'est un peu trop long, monsieur Nimli, c'est un peu trop long. Oh, Alexandro qui a bien couvert, bien joué mon garçon. Difficile de s'intégrer pour monsieur Alexandro quand même. Wow. Monsieur Villalva qui se fait agresser totalement là. Monsieur Villalva, il se fait agresser. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, je ne veux pas savoir. Gunning qui réussit à faire une belle interception. Qui lance Nimli dans la profondeur. Nimli qui va guaquer son défenseur pour essayer de frapper. Mais non, c'est dommage.
C'est dommage. Et c'est fini, c'est la victoire 3-0. Voilà, Chavaria qui est parti chercher le ballon. Victoire 3-0 sur 3. On a bien défendu. Allez. On a le Stade de Reims qui sera contre nous. On a l'Olympique Lyonnais. On rencontre souvent l'Olympique Lyonnais en coupe. L'OGC Nice qui sera là aussi. Ouais, on joue souvent Lyon en coupe. Hein. Inacceptable. Pour qui? Ramsey. 5 millions. Ouais, c'est pas grave. Ah oui, merci. 5 millions. J'avais dit 4 millions. Ouais, j'étais quand même un salaud. Je vais mettre 5. Allez, si on peut s'arranger. Voilà. Hein. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Celle-ci, transfert accepté à 5 millions. D'accord. Qui? Gabriel, hein, on s'en fout. Chelsea à 5 millions, j'accepte. Pas de problème. Pas de problème, garçon. Pas de problème. Tu veux 4 ans, titulaire indiscutable. Pas de soucis. Je te mets même un petit 75 000, parce que je t'aime bien. Il me dit pas... Je joue bien dans mon équipe. Et Arsenal a accepté 3 millions. Chelsea, 9 millions 5 pour Kakuta, mais je m'en fous, tu m'as donné l'autre garçon, donc ça va. Wellington da Silva, mais on va peut-être attendre un peu. On va mettre 4 ans. Demande du joueur, il voudrait 3 ans. Tu serais un titulaire important. Ah bah non, tu seras joueur de rotation d'effectif. Tu vas jouer à Lens quand même. Faut pas déconner. Le mec, faut pas déconner quoi. Tu joues avec une équipe qui joue à Champions League et tout, tu vas pas non plus me faire chier. Oui. Alors tu as le rapport complet de ce garçon là. Très rapide. Donc on a dit Thorgan Hazard. C'est pas trop mal aussi. Hein. Même si 5 millions c'est pas sa valeur. Franchement. C'est pas trop mal non plus. Ok. Blablabla. 5 millions pour Ramsey. Allez. On part sur ça. Faut que je fasse gaffe quand même avec... titulaire indiscutable. Est-ce que titulaire indiscutable? Oui, quand même. Tu joues à Lens, quand même. Il va dire, je suis un joueur cadre de mon équipe, je ne veux pas partir. Mais ton club t'a vendu. Ton club t'a vendu, bordel. C'est que ton club ne veut plus. Donc on avait dit 5 et 5. Bon, bah, ça va, on a largement les moyens. Sans payer un autre. On va voir qu'est-ce qu'on peut recruter d'autre alors. Hein. C'est la folie. Je crois que j'ai jamais eu autant d'argent. Que dans un mercato d'hiver déjà, c'est la première fois que j'ai autant d'argent dans un mercato d'hiver. Alors, ils sont un petit peu fatigués. Midi qui est un petit peu fatigué. On va faire jouer Sally. Et monsieur Cantero, qui ma foi se débrouille très très bien quand il joue. Donc, pas de raison. Monsieur Barcina est un peu fatigué. On va faire jouer, démarrer monsieur Berardi alors. T'inquiète pas, Barcena, c'est bientôt fini ton supplice. J'ai encore une fois pas changé. Faut vraiment que je le fasse. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a Romagnoli qui est fatigué. On va faire jouer Medvage. C'est pas la même chose. On a Nacho Fernandez qu'on va mettre sur le banc. Xhaka et Gaffaro. On va laisser ça. Et après, c'est du championnat. Donc voilà. Ça me paraît pas mal. Berardi quand même, c'est vrai qu'en milieu gauche, il me donne pas entièrement satisfaction. Là, je le mets pour faire reposer un peu Barcina, en attendant d'acheter Monsieur Thorgan Hazard. Bon, ça va quand même une belle équipe. Ramsey, Thorgan Hazard. Tu vas te dire, ça va. Bim. Comme ça, Sally. Ça sort. Et il joue vite, il essaie d'emballer le match. Non, c'était pas là, c'était devant que je voulais. Mais c'est pas grave. Un petit peu. Allez, une longue passe là pour Sally. Sally le centre. Oh, c'est repoussé en corner.
pour les Lensois. Et c'est Azez qui tire le corner. Très très long pour Chavaria derrière. Et la tête croisée de Chavaria à la 7ème minute pour l'ouverture du score. Quelle belle tête de Chavaria. Qui a totalement guaqué tout le monde. Ouais. Ouais, bon, plein centre, hein, le gardien, un petit peu. Un petit peu guaqué là, quand même, le gardien. Pirate. Très bien. Non, quoi. J'arrête. Excusez-moi, ça me le fait toujours. C'est comme un réflexe. Tripodiac, pirate. C'est un réflexe. Merci, Alexandro. Ta bonne défense, bonne couverture défensive. Vous imaginez quand même un Ramsey devant au milieu de terrain, quoi. Ça serait pas épique? Ça serait pas d'une épicness totale? Rajouter un Ramsey au milieu de terrain, quoi. Oula, c'est un peu loin. Oula, le contrôle de Quintero était sublime. Voilà. Tel un Cristiano Ronaldo ou un Lionel Messi. Ah, faut pas quand même pas abuser non plus. Attention à cette perte de balle au milieu. Edgar Sali. Allez, Cantero. Non, pas Cantero. Tiens. Non, j'arrête. Ils ont volé notre set. Allez, on l'a vu, il est tout seul devant Ducasse là. Voilà, c'est un peu trop long. Il était bien parti dans la course, mais il a ralenti sa course, c'est dommage. Ils ont volé notre set. Pirate. C'est très con. Ouais, je sais. Sali, le contrôle de balle, 0. Cantero qui demande le ballon, qui arrive à le passer dans la profondeur et on va en voir sur... Mais non, mais c'est quoi cette passe là? C'est qui m'a fait ça? C'est Berardi? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Peut-être calmer le sexe de suite là. Fais pas des conneries comme ça, toi. Edgar Sali. Allez. Sali qui avance. Sali qui va s'arrêter en pleine surface. Il repique. Il veut frapper, mais il peut pas. On va faire un petit truc. Allez, je me sens foufou, je me sens folie. On va faire un 4-4-2 bizarre. Non, pas un 4-4-3, 3-3, non. Tiens. Pourquoi pas? On a qui? On a Chavaria, on a... Ouf. Ouais, mais j'ai des buteurs, donc non, c'est pas top. Peut-être un comme ça. Allez, on va se lancer sur un bon petit truc comme ça, avec, voilà, un Berardi en MOC. Il peut pas jouer MOC, je suppose. Non, il peut pas jouer MOC, mais c'est pas grave. Il jouera quand même MOC. Avec un Ducasse à gauche. Quoique non. Comme ça. Du coup, un Ducasse en MOC. Il peut pas jouer MOC, mais je m'en fous. Je m'en contrefous. Chavaria, voilà. Comme ça. Et un Berardi à gauche. Chavaria, tu peux jouer buteur. Ducasse, tu peux jouer que au centre. Minimum. Peut-être à droite. Peut-être à droite. Est-ce que... On va tenter la folie. Qu'est-ce que je voulais? Est-ce que je voulais tenter une petite folie? Alors, un petit Chavaria en MOC. Berardi à gauche. Et Ducasse à droite. Dans un style totalement what the fuck. Panique, mais il dégage. Allez, on va essayer. Tiens, on va essayer l'équipe comme ça. Tiens. Même si Ducasse, c'est pas un joueur de côté. Sinon, on peut faire du resserré. Tout simplement. Allez, Berardi. Oh, il est pas hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Ouah, hors-jeu invisible. Ouais, on va peut-être faire un resserré. En 4-4-2, comme ça, resserré. Tu vois. En losange, comme ça. Ça, on va être avec que des milieux. Pas d'ailier. Même si j'aime bien centrer. Ouais, Berardi là. Et Chavaria. Mais sauf que là, on va permuter les deux là. Voilà. Et on a Chavaria. Et voilà. On va essayer comme ça, tiens, pour rigoler. Pour rigoler. On mène 1-0 dans un match de championnat. Championnat, bon, on peut se permettre de perdre, on va dire. C'est pas trop grave si on perd. Edgar Sali.
Allez, Ducasse qui a pris le couloir. C'est inédit, ça. Pour Lens, c'est inédit. Ducasse qui prend le couloir. Oh, qui a voulu faire un centre, mais ce sera un corner. Il obtient le corner. Bien joué, monsieur Ducasse. Allez, la tête de monsieur Cantero. Et ça passera pas. Et c'est monsieur Berardi qui récupérera le ballon. Il va repiquer dans l'axe pour monsieur Gunning, qui est passé là, par là, comme ça. Hop là. Bien joué. Chamaria qui s'est battu. Qui s'est battu, qui passe à Azès. La petite frappe de Azès, magnifique. Lucarne de Azès à la 40e. Pour le 2-0, pour le break, avec cette bonne passe de Ducasse. Quelle belle frappe de Azès. Regardez, hop, le petit contrôle, la frappe enchaînée. Magnifique. Très très belle frappe. Hein. Très très bon contrôle. Là, hop, le ballon, le petit contrôle et la frappe. Bien joué. Bien joué, mon petit Azès. Fait plaisir. Allez. Et c'est Chamaria qui se retrouve devant, d'accord. Ouais, Chamaria peut jouer buteur, donc pourquoi pas le faire jouer à Mossé. Ouah, ça aurait pu. C'était Ducasse qui était là. C'est n'importe quoi cette équipe. Même Sally, il est repassé derrière. Hop là. J'ai des problèmes de comment on appelle ça. Ducasse qui vient défendre. Mais c'est quoi ce... Il fait quoi Alexandre en fait? Pirate. Oh, le ballon qui a collé à la main de Hamada. On l'a tous vu. On va se le voir en ralenti parce que c'était beau. Tu fais ça dans la vie, tu perds le ballon des mains. Je suis désolé. Regardez au ralenti. Hop. Bim. Là tu perds le ballon de la main là quand même hein. Là c'est quand même le ballon qui est collé à la main là. Oh merde, j'ai perdu le ballon. Je voyais pas ce que je faisais. Bah, du coup, c'est le bordel. Chamaria est devant avec Azès. Avec Sally. Et on mène 2-0. Avec deux tirs de cadré. Oh, ça fait plaisir. Alors que la seconde période va démarrer, il y a un club de Lens, on le rappelle, qui mène au score à la mi-temps. Deux petits buts. Avec un Sally. Oh, ça passe pas là. Ça passe pas, monsieur Sandro. Là, il faut augmenter le niveau technique. Là. Ouais, il fallait intervenir, c'est bien. Ligione qui va passer à monsieur Chamaria. Chamaria qui attend la montée de Alex Sandro qui va se retourner, qui va centrer au second poteau. C'était pour le second poteau, mais c'est pas grave. Pour Sally au second poteau, mais c'est Cantero qui l'a pris de la tête. Il a fait plutôt une bonne tête. On va pas trop lui en vouloir. Il a fait ce qu'il a pu. Il a failli récupérer le ballon. Non, j'arrête. On a dit que j'arrête. Bien joué aussi. Bonne défense. Bonne défense, mais ça j'étais nul. Je voudrais sélectionner un joueur, voilà. Allez, Ben Yadier, bien joué. Ça, c'est qui m'a fait ça? C'était Gunning, hein, je crois. C'est Gunning ou c'est Jedvah? J'ai même pas fait attention à qui jouait. C'était très très bien joué, la défense était sublime. Sûrement quelque chose de bien. Oh dommage. Ben non, pas pour tout le monde. Bien joué Azès. On a beau avoir foutu le bordel dans notre compo. Ouais, ça joue quand même plutôt bien. Il y a toujours une solution pour le porteur. Et ouais, c'est ça la magie du foot. C'est ça la magie du foot. Et Ligion qui se retrouve en bonne position, qui va frapper. Qui va tenter de frapper. Oh, Braithwaite. Le chevelu. Le chevelu entre en jeu. Est-ce qu'on fait des changements? Ce Cantero est fatigué. On va faire entrer monsieur. De monsieur Nimli. Allez. Et dans une optique de what the fuck, encore une fois, on va faire entrer monsieur Yessien. Pour. Pour la place de Chamaria. Allez, pour préserver un peu Chamaria. Et on va faire. Il est MOC de formation, ce garçon? Oui. Bon, bah, allez. Allez. C'est tout cela. On va faire entrer deux nouveaux joueurs. Allez, bim. L'entraîneur qui a fait signe qu'il voulait changer. 65e minute. Deux joueurs nouveaux qui vont rentrer.
Allez, bla 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 bla. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Encore ? Ils viennent tout juste d'en faire un. Allez, la bonne passe pour Sali au-dessus de la défense. La bonne occasion. Oh, c'est passé. C'est passé pour Yessien. Ça, bon. Il dégage avec autorité, c'est bien joué. Il dégage avec autorité. Ah, bravo. Yessien qui a fait une bonne course. Il y a le casse. Du casse qui sait pas quoi faire, hein, parce que le Sandro ne veut pas monter. Aujourd'hui, il n'a pas envie, Sandro. Allez, pour Ligion. Pour Yessien, là, qui n'est pas hors jeu, je veux pas savoir. Le centre de Yessien. Oh, la retournée ratée. Le retourné raté. Pourquoi Alexandro n'est pas allé chercher le ballon? Il y a eu un petit frisson. Il l'a sorti tout seul. Il l'a sorti tout seul. Tiens. Psycho-couac. Oh non, c'est lui qui l'a sorti. Je suis désolé. C'est l'arbitre, non. Ça se fait pas, ça. C'est bien joué, ça. Allez, bien joué. C'est Sandro. Des casses. Abdallah Yessien. Allez, bien joué dans l'espace là pour Sali. Sali, le centre de Sali au second poteau, la tête et le but de Nimli. Bien joué le but de Nimli en bout de course. Nimli qui vient mettre la tête pour le troisième but. Ouais, le bon centre et la bonne tête là. Alors que le gardien pensait que ça appartenait à l'ouest. Mais en fait, non. C'était prévu, c'était calculé. Et ça fait 3-0. Bien joué de la part de monsieur Nimli. Allez, monsieur Yessien qui s'était bien battu là. C'est dommage. Oh, ça c'est bien envoyé, mais c'est un petit peu trop long. Et ça renvoie direct. Alors. Allez, bien joué pour Alexandro là. Alexandro qui va aller en bout pour le centre. Et ça va être la même. Et c'est la même. C'est la même. Sauf que là, c'est Sandro qui centre. Pour la tête de Nimi. Voilà. Voilà. Non. La cage est vide. 4 buts à 0. Je suis désolé, Toulouse. Mais ça fait mal. Ça fait mal. C'est fini. Doublé de Nimi, but de Hazé, c'est but de Chavaria. Cette grosse victoire contre Toulouse en championnat. C'est bon, tais-toi. Ouais. Marseille qui gagne 5-0 contre Nancy. Ça va. On n'est pas les seuls à faire des bons résultats. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de joueurs, ouais, mais bon. Je pense qu'on a trouvé. Contrat refusé. J'adore ma vie ici. Alors, mon garçon, tu comprends pas. Tu veux qu'on rajoute des chiffres sur ton bulletin de salaire, toi, non? Tu veux qu'on rajoute des zéros, même. Tu t'es pris pour qui? Oh, tu crois que t'es Cristiano Ronaldo, toi? Refusé. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Je t'ai mis joueur de rotation effectif. Tu veux 3 ans? Le titulaire important. Mais... Conférence de presse, on s'en fout. Non, j'aimerais bien voir Ramsey là, s'il vous plaît. Là. Refusé, pourquoi? Il adore sa vie ici. Bon, on va lui rajouter un bon numéro. Titulaire indiscutable. Je sais même pas où est-ce que je vais le mettre d'ailleurs dans mon équipe. C'est pas grave. Ça fait toujours plaisir. Mais on va donc s'arrêter ici, en suspens. En suspens, alors, avec la piste donc Thorgan Hazard et la piste Ramsey pour le milieu au centre. Pour suppléer Ducasse, voilà, tout simplement. Ducasse qui va partir à la retraite. Il va me falloir un milieu droit un jour ou l'autre aussi. Mais on verra bien. On verra bien. De toute façon, je vais vous dire, je vais vous dire mon plan. Alors, je vous annonce déjà que si jamais je devais perdre contre Manchester City et être éliminé de la Champions League,
Je vous demanderai un choix. Est-ce que je reste à Lens ou pas? Ou est-ce que je change de club? Voilà. Et la question sera là. Après avoir bâti tant d'années à Lens, peut-être pourquoi pas changer, ça pourrait être sympathique. Changer de club. Surtout que là, dans le jeu, on est en combien? On est en 2017, 18 janvier 2017, donc ça fait quand même... assez loin, quoi. Donc il y a de nouveaux joueurs, il y a de... Voilà, ça avance, quoi. Et quand on fait parcourir les offres, qu'est-ce que j'ai? Monaco, donc. Toujours Monaco, souvent Monaco. J'ai Francfort. J'ai Monaco. Tiens, j'avais Marseille à une époque aussi. Mais ils ont dû se refaire un petit peu. Ouais, ils se sont refaits. Donc du coup, ils sont pas disposés à changer d'entraîneur. Contre Monaco, voilà, qui sont 8e et qui veulent être sacrés champions, c'est un petit peu foutu. Mais bon, on peut toujours essayer, changer, partir, pourquoi pas à Monaco, pourquoi pas ailleurs, hein, je sais pas, moi, on verra. Enfin, ça dépend des offres qu'il y a aussi, hein, parce que moi, je ne peux pas non plus choisir. Hein. Mais bon, voilà, on verra bien, on n'y est pas encore, on pourrait toujours passer, hein, si on continue contre Manchester City, pas de problème. Hein. Mais bon, ça me ferait chier de me faire éliminer encore, j'aimerais bien au moins arriver, allez, en demi ou en finale, quoi. Dans l'idéal, ça, j'aimerais bien la gagner, la Champions League, quand même. Ça me ferait très plaisir que ma petite équipe la gagne. Ça me ferait très plaisir. Avant qu'on change tous les joueurs. Parce que là, si on remarque, il n'y a que Ducasse et Chavaria qui sont du lance de normal. Et tous les autres, c'est des nouveaux joueurs. Même dans l'effectif de base, ça doit être la même. Et ouais, j'ai vendu tout le monde. Et j'ai acheté plein de nouveaux joueurs à la place. Donc voilà, bah toujours est-il que c'est, pour cet épisode c'est fini, on va essayer de voir pour donc prendre Ramsey à Lens et prendre Thorgan Hazard. Pourquoi pas, je sais que Thorgan Hazard a plutôt un bon potentiel et je sais qu'on peut passer au-dessus du potentiel. Donc ça peut quand même donner quelque chose de bien. Et après on a Ramsey qui est quand même plutôt un bon joueur. Alors je sais même pas combien il a de potentiel ni rien, mais je sais que c'est un bon joueur. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être pas mal. Toujours est-il que, donc, pour cet épisode, ça va être terminé. J'espère que ça vous aura plu. Mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Moi, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FIFA ou sur un autre jeu. Allez, ciao!